Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il s'agit de la première vidéo de l'année. Donc, je vous présente tous mes vœux pour 2024. Je vous souhaite une très bonne année. On va débuter cette année avec une vidéo bilan, lecture 2023, préparation de carnet d'objectifs pour 2024. Donc, j'avais envie de revenir un petit peu sur la lecture qui est une de mes passions. J'ai l'habitude d'utiliser des carnets de lecture depuis à peu près 8 ans. Et là, vous avez un Leuchter 1917 qui est un carnet de lecture dans lequel j'ai noté tout ce que j'ai pu lire depuis 2021 jusqu'à avril 2023. Donc si j'ai pu faire tenir presque 2 ans et demi de lecture dans un seul carnet, c'est que j'ai énormément réduit mon rythme de lecture depuis 2020 à peu près. J'ai un rythme de lecture qui a été divisé pratiquement par deux. Et là, cette année, c'est la première année où j'arrive vraiment à reprendre un peu le dessus, à revenir dans la lecture de manière plus importante. Et ça, c'est grâce aussi à mon congé maternité, où j'ai énormément repris. Avec ensuite mon retour au travail, mon rythme s'est vraiment ralenti, retrouvé ralenti. Et là, je me force un petit peu à revenir sur un rythme un peu plus plaisant parce que c'est vraiment quelque chose qui me fait du bien et que j'apprécie. Et puis en plus, c'est nécessaire pour mon travail. Donc la fin de mon année 2022, elle n'a pas pu tenir ici. Donc je m'étais pris ce petit carnet à action pour pouvoir terminer mon année avant de rattaquer sur un nouveau carnet pour 2024, donc la fin de mon année 2023, se trouve dans ce carnet-là. Et j'y ai fait un rappel un petit peu des objectifs que je m'étais fixés sur le début d'année. Donc je me fixe à chaque fois des objectifs très simples, aussi bien pour le coloriage que pour la lecture, afin de ne pas me bloquer. Et puis, tout simplement aussi parce que ça reste des loisirs et des passions. Donc pour la lecture, je m'étais mis à faire diminuer ma pile à lire, participer à des challenges, lire 50% de la pile de doudou, lire plus de livres qu'en 2022, ne pas acheter plus de 13 livres et lire plus en numérique et en audiobook. Et ensuite, je m'étais mis un petit challenge de 10 livres pour l'année. Donc globalement, j'ai plutôt bien réussi mes objectifs. J'ai réussi à faire diminuer ma pile à lire, j'ai participé cette année à des challenges. Je n'ai pas par contre réussi à lire 50% de la pile à lire de doudou. Donc la pile à lire de doudou, c'est les livres que mon mari m'offre. Donc il y en avait 8 au total dans cette pile à lire qui n'avaient pas été lues et je n'en ai lu que 3. Donc voilà, ça ne fait pas 50%. J'ai lu plus de livres en 2023 qu'en 2022. Donc ça, c'est plutôt chouette. Et je n'ai pas acheté plus de 13 livres, j'ai acheté cette année 5 livres et on m'en a offert un. Et j'ai lu plus en numérique et en audiobook que les autres années, ça c'est sûr. Pour les 10 livres de l'année, ça a été un échec aussi, j'en ai lu 4. Voilà, donc même pas la moitié. Ensuite, ça c'est un petit peu les challenges que j'ai pu faire. Donc j'ai fait quelques sessions de challenge Game Master de l'année 2023. J'ai fait une lecture commune en janvier. C'était une relecture pour moi, Jane Eyre de Charlotte Brontë avec Autumn Naturalis sur son compte Instagram. On était très nombreux à participer à cette lecture commune. J'ai également participé à deux sessions, enfin j'ai plus de deux sessions, j'ai fait des sessions de La Nuit du Hasard de Séverine, donc qui a la chaîne YouTube et Twitch, il est bien ce livre. Et j'en ai réussi deux sur les 10 de l'année, je suis quand même contente. Et il y avait le challenge Pay Ton Slip qu'elle fait tous les étés. Et voilà, j'avais prévu de lire 12 livres et ça s'est plutôt être arrivé à peu près juste. En sachant que je suis quand même déçue parce que j'aurais pu, voilà, en 3 mois, 12 livres, c'est pas beaucoup. Mes séries livresques, donc ça c'est toutes les sagas et séries de livres que j'ai en cours et que j'ai avancé. Donc globalement, j'en ai terminé deux. J'ai terminé Donato Carisi et sa saga du chuchoteur avec son personnage récurrent de Mila Vasquez. Donc j'avais lu le 1 il y a déjà peut-être plus de 6 ans. J'ai lu le 2 peut-être l'année dernière et là cette année j'ai fini avec le 3 et le 4. J'ai fini aussi les 3 tomes qui manquaient de la série Blackwater de
Dowell et ah oui, j'ai fini aussi la série de comics Paper Girls. Et puis après, j'ai avancé dans mes séries, donc j'ai avancé dans une saga de Stephen King, Afraid Odious. J'ai lu Carnet Noir, il me manque Fin de Ronde, mais j'ai vu que je l'avais pas à la maison. Il faudrait que je vois si j'arrive à me le trouver cette année à la médiathèque. Sinon, je me le prendrai en poche. J'ai continué la saga Anne de Lucy Maud Montgomery. Et puis voilà, j'ai repris les carnets de l'apothicaire. Grosso modo, c'est ça. Donc ça, c'est mes lectures de l'année qui sont toutes listées ici. Donc j'ai fait 85 lectures cette année. Donc il y a eu beaucoup, beaucoup de graphiques aussi. Et sur ces 85 lectures, j'ai fait 47 lectures en format papier, 25 en numérique et 9 en audiobook. Et 4 qui mélangeaient un peu plusieurs médias. Donc papier numérique, papier audio, numérique audio, voilà. Les trois médias mélangés. Donc j'arrive à lire en mix média souvent parce que c'est des emprunts médiathèques. Ensuite, au niveau des genres, j'ai lu 12 documentaires ou vécu, enfin 12 livres qui n'étaient pas de la fiction et 73 livres de fiction. Et parmi ces livres, 49 étaient écrits par des hommes et 36 par des femmes. Au niveau des trackers par mois, on se rend bien compte que j'ai une diminution vraiment après le mois de juin, donc ça correspond à ma reprise du travail. Novembre, on a l'impression que j'ai bien repris, mais c'est parce qu'en novembre, j'ai lu beaucoup de mangas et BD. Voilà, en fait, j'avais lu que 2 livres et tout le reste, c'est des mangas et des BD. Parce que voilà, c'est plus visible au niveau du nombre de pages en fait. Avec ma reprise du travail, on se rend vraiment compte que j'ai vraiment un rythme de lecture qui a chuté. Avant, j'étais toujours au-dessus des, on va dire, 2500 pages quasiment. Après, je tombe en dessous des 2000 pages. Ce qui fait qu'en moyenne cette année, j'ai lu environ 2000 pages par mois. Ça, c'est des tentatives de tracker qui finalement ont été avortées. Donc, je voulais regarder un petit peu au niveau des intrigues, à quelle période historique elles se situaient, dans le futur, dans des mondes aussi fantastiques qu'on ne peut pas dater par rapport à notre histoire à nous. Mais finalement, ça m'a pas paru plus pertinent que ça et arrivé au mois de juin, j'ai arrêté. Pareil, vous regardez par année d'édition, ça m'a pas paru finalement pertinent parce que je me suis très vite rendu compte que j'étais plutôt sur des auteurs récents, contemporains. En tout cas, 20e, 21e. Pareil, le tracker de diminution de ma palle, je l'ai un petit peu laissé tomber parce que finalement, j'utilise un petit carnet de lecture dans lequel je vais rentrer tous mes titres, tous mes livres. Et je les surligne, c'est quelque chose que je fais depuis pas mal d'années. Je vais vous montrer. Vous voyez, quand je lis un livre, je le surligne. Et du coup, ça me permet de savoir combien de livres j'ai lu au sein de ma palle durant mon année. Donc là, par exemple, on va pouvoir compter. J'en ai lu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Voilà, donc j'ai lu 17 livres de ma pile à lire cette année. J'en ai rajouté 6, donc j'ai bien fait diminuer ma pile à lire. Ensuite, là, c'est les albums donc pour mon fils. Donc, c'est les albums qu'on a bien aimé lire. Là, c'était une petite wishlist. Voilà. Là, c'est les genres que j'ai pu lire cette année. Ça, c'est les genres que j'ai pu lire cette année au niveau de la fiction. On se rend compte que j'ai lu beaucoup d'illustrés. Il y en a eu 22. Et il y a toujours beaucoup de romans policiers, thrillers, romans noirs. Et de science-fiction, fantasy, fantastique, j'en ai lu quand même 14, mais il y avait moins. J'ai lu 0 titre de science-fiction pardon, cette année. J'ai lu peut-être 3 titres de fantasy et j'ai lu du fantastique. Petite particularité de cette année, il y avait ce qu'on appelle aujourd'hui la romantésie dans ces lectures-là. Et si pour certaines lectures ça m'a pas gênée, pour d'autres c'était un petit peu plus. Un petit peu moins mon style. J'ai lu 6 jeunesses, donc 6 romans jeunesse ou ado. J'ai lu 3 classiques, 6 contemporains, 2 historiques. Ça, c'est au niveau voilà, des fictions. Et j'ai lu 12 documentaires, donc plutôt d'historique, société, beaucoup d'histoires, un peu d'aventure.
tout ce qui va être récit de voyage, expérience, voilà, un petit peu personnes qui vont partir en trekking, en voyage, en expédition, qui vont voilà, faire des, ce genre de trucs. Et tout ce qui est vie perso, développement personnel, vie de maman, j'en ai lu. Donc à peu près c'est tout pour les genres. Après là c'était des tentatives de pâle saisonnière, mais finalement ça m'allait pas de les mettre au début. Quand je fais des challenges comme ça de saison et des piles de saison, je préfère les intégrer au fil des mois et garder vraiment mes challenges qui peuvent parcourir toute une année en début. Et donc vous voyez là c'est un peu comment se présente mon carnet. J'aime bien faire une page décorée au début de chaque mois et ensuite mettre ma pile à lire. Et après, j'inclus mes avis. Alors, mes avis peuvent être plus ou moins longs. Les pages peuvent être plus ou moins décorées. Là, je pense que j'avais envie de mettre une image du film. Finalement, je n'ai jamais imprimé. Faute de temps. Donc, j'aime bien garder une trace du titre, de l'auteur, du genre, du format, du nombre de pages. J'aime bien mettre une petite note, mettre quelques éléments de résumé. Et ensuite, c'est plutôt mon avis que je viens détailler. Voilà, donc... des fois ça peut être très très long, des fois ça peut être très très court. Par exemple, Un coup de soleil de Serena Giuliano, j'ai pas trop aimé. Voilà, je peux mettre des stickers, je peux même... je vais vous montrer sur cette page. Ça c'est, il y a de l'aquarelle et un bout de papier. Il y a des tampons, voilà. Je m'amuse, je le décore plus ou moins en fonction de mes envies. Donc ça c'est mon carnet et mon année 2023, donc 85 livres, 26 030 pages de lu, donc je reviens à un rythme un petit peu plus intéressant. Il faut savoir qu'en 2019 j'étais à 30, donc j'étais à 29 000 pages en moyenne dans l'année. Donc là je remonte à 26 000 et pour la formation en 2022 j'étais tombée à 16 000 pages, et 16 000 pages avec pas mal de graphiques. Là, c'est mon nouveau carnet pour cette année 2024. Alors, on voit beaucoup passer le carnet de The Notebook Therapy. Je ne l'ai pas, à vrai dire. J'ai pris un Sequest parce qu'il avait des bons avis sur Amazon et qu'il était, avec une couverture en tissu assez rigide. C'est quelque chose que j'aimais bien, avoir une couverture rigide. L'élastique aussi, c'est super important parce que comme je viens décorer, Mon carnet a tendance à doubler et les pages elles sont bien blanches et elles sont plus épaisses, donc j'ai pas cette image fantôme comme avec le Leuchtturm quand je remplis mon carnet. Donc je vais vous montrer un petit peu à quoi il ressemble. Donc j'ai pas encore fait ma page de notes, je vais faire un truc un peu astral. Et par contre j'ai fait ma page objective, donc j'essaye de vous intégrer deux trois éléments qui montrent voilà, qui me montre en train de préparer mon carnet, mais que quelques éléments. Donc voilà, ça c'est mes objectifs, donc ils sont quasiment similaires à ceux de l'année dernière. Le seul objectif que j'ai fait sauter, c'est la limite d'achat de 13 livres, parce que je suis pas dans une optique de faire de toute façon grandir ma pile à lire, d'acheter forcément plus de livres. J'aime bien aussi le fait de consommer en numérique via la médiathèque et de ne pas forcément posséder les objets. Voilà. Parce que y a vraiment des livres que je sais que je ne vais pas relire. Et donc je ne ressens pas le besoin de les acheter physiquement. Mais par contre, il peut m'arriver d'avoir lu un livre en médiathèque, de l'avoir tellement aimé et que de l'avoir ensuite acheté pour moi. Ça a été le cas pour The White Darkness de David Crane. Je l'ai lu l'année dernière à la médiathèque en grand format. J'ai tellement aimé que je l'ai racheté cette année et je l'ai déjà relu en 2023 du coup. Donc il faut maintenant vraiment que ce soit des lectures qui fassent sens. Donc je veux toujours faire diminuer ma pile à lire, mais je ne me mets pas de pression. Petit à petit, elle diminuera. Je veux lire plus de livres encore qu'en 2023, donc c'est un gros objectif. Je veux toujours lire plus en numérique et en audio. Par contre, vous voyez, je ne me fixe pas d'objectif quantitatif. Je veux lire des genres plus variés. Ça, je l'ai mis parce que j'ai trouvé que j'avais pas lu beaucoup de SF et j'ai lu beaucoup d'illustrés. Mais voilà, la lecture au niveau des romans, il y avait, je pense, un manque de... Enfin, j'ai ressenti un petit peu un manque de variété. Ce qui était un peu dommage.
lire toujours 50% de la Bible, à lire de mon mari, de Doudou, et faire toujours des lectures communes et des challenges si j'ai le temps. Voilà, après j'ai décollé avec du papier, des tampons. Donc j'avais plus de rouleaux, au col, donc j'ai utilisé de la colle en bâton. Par contre, je vous recommande vraiment les rouleaux au col. C'est beaucoup plus pratique et c'est mieux pour les carnets. Vous en trouvez sur Amazon, à Action, peut-être même aussi dans les grandes surfaces. Ça permet aussi de coller de façon plus pratique et plus propre, je trouve. Donc là, j'ai toujours conservé aussi les 10 livres pour l'année. Voilà, et la pierre de Doudou. Donc ça, c'est mon tracker de saga ou de série livresque. Et donc, c'est toujours les sagas que j'ai envie de lire. Donc, ce que j'ai déjà lu et là, ce que je vais lire cette année, je vais le assurer. Petite nouveauté, j'ai de nouveau envie de lire les Sherlock Holmes de Sir Arthur Conan Doyle. Donc, il manque quelques tomes. Donc, si j'en lis un cette année, je serai super contente. J'ai envie de persévérer et j'aimerais bien lire encore un Adamsberg de Fred Vargas. Il y a un nouveau tome de la BD Undertaker qui est sorti, donc j'aimerais bien la lire. Je voudrais vraiment reprendre les préquels, découvrir les préquels de Lonesome Dove et me refaire la série complète. Et L'Enfant et le Maudit, voilà, elle est terminée, il faudrait que j'arrive à les trouver. Là ensuite, on est sur mes trackers de lecture. Donc les différents éléments qui me permettent un petit peu de faire des statistiques, on va dire, entre guillemets, hein, les stats. Sur mes lectures, donc par genre, fiction documentaire, par format, par auteur, et là par genre vraiment littéraire. Donc ça, c'est une page que j'aime bien. Le nombre de livres aussi lus dans le mois, c'est quelque chose que j'aime bien. Et le nombre de pages aussi, grosso modo, par mois, j'aime bien. Et puis je me laisse une page wishlist, voilà. Ça aussi, ça m'intéresse. Là, ça va être... du coup, pour comme l'année dernière, pour mettre petite partie de tous les livres que j'ai lus, j'aime bien avoir comme ça une vue d'ensemble. Et cette année, je me suis cette double page et peut-être celle-ci. Et là, je ferai un suivi sur toute une page des albums que je vais lire à mon fils et qui vont nous plaire à tous les deux. Et là, vous voyez, c'est mon début du mois de janvier. Donc, ma page un petit peu de déco, de présentation du mois que j'ai fait très sobre. Voilà, et là c'est ma pile à lire de janvier, toujours très sobre aussi. Et si jamais je vais lire de titres, et ben, je les rajouterai là. Et ensuite je ferai mes avis lecture comme les mois précédents, donc des choses finalement assez simples. Je suis plutôt contente de ce carnet, je le trouve assez solide. Après j'ai un peu peur, c'est ici au niveau du dos. Il y a une sorte de cassure qui s'est faite. Alors, je ne sais pas si c'est à cause des marque-pages en tissu qu'on peut voir là. Je ne sais pas si c'est à cause de ça. Il y a une petite cassure, je verrai. Bon, de toute façon, les carnets, c'est sur la durée qu'on sait s'ils sont de bonne facture ou pas. En tout cas, à première vue, voilà, je suis plutôt contente de la qualité. Il faut savoir que c'est du tissu. Vous avez plusieurs motifs. Moi, j'ai craqué pour ce format avec la feuille. Mais il y en a, franchement, j'ai hésité. J'ai bien aimé le violet avec la petite libellule aussi. Il y en a des très très jolis. Voilà, il faut aimer les couvertures tissu. J'aime bien aussi ça pour pouvoir mettre le stylo. Après, voilà, ce qui m'inquiète un peu, c'est là, j'ai vraiment une cassure tout le long. À voir comment ça tient dans le temps. Eh bien, écoutez, c'est tout pour cette vidéo présentation, un petit peu bilan de mes lectures de 2023. Et présentation de mon carnet de lecture pour l'année 2024. Je vais vous afficher, je pense, il faut faire un petit montage et vous mettre les jaquettes de mes meilleures lectures de l'année 2023. Essayer de vous mettre les 5 lectures les plus marquantes que j'ai pu faire. Et puis, voilà, dites-moi en commentaire, vous, si vous lisez, quelles ont été vos 5 lectures les plus marquantes. Dites-moi aussi si vous utilisez un carnet de lecture, si vous utilisez aussi un format un peu comme le bullet journal que vous créez vous-même de A à Z, ou si vous utilisez des carnets pré-remplis, puisqu'il y en a plein qu'on peut trouver sur Internet. Bon, en tout cas, j'étais très contente de voilà, vous partager ça, et je vous fais de gros bisous. Je réitère mes vœux pour l'année 2024. Et je vous dis à bientôt, bye bye pour une prochaine vidéo.